Amen. C'est vrai que, écoutez, un homme, un chrétien, c'est vrai que nous sommes pécheurs, mais un chrétien doit chaque jour se sanctifier. C'est-à-dire, quel que soit lui, il faut toujours. C'est vrai qu'un homme, un enfant de Dieu, dans la semaine, il doit au moins passer deux jours de jeûne avant de se sanctifier. C'est la seule chose qui va te faire chuter. C'est la seule chose qui va te faire faire des grâces. C'est pour ça qu'il faut au moins chaque jour, avant de confesser tes péchés. Si tu ne peux pas penser, pas de confesser, non, tu vas te dire. Amen. Amen. Parce que c'est la seule chose qui va te faire perdre les grâces. Qui fait entrer les démons dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. On va me saisir un peu. Amen. On m'a saisi. Amen. On m'a saisi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va te faire perdre, c'est le péché. Amen. Amen. Pour ça, il faut commencer déjà à confesser tes péchés. Il faut les confesser. Il faut les confesser parce que le diable sait que cette désobéissance-là fait que tu ne pourras plus avoir l'œil sur toi, le regard sur toi. Et tu es en face d'un combat. Les démons sont déjà venus dans ta vie. Il peut t'envoyer toutes sortes de maladies. Il peut t'envoyer toutes sortes de problèmes, de difficultés. Ça m'a bien saisi. Tu es demain combat. Le combat. Combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat. Le diable sait que tu es enfant de Dieu. La seule chose qui permettra à Dieu de continuer de bénir, c'est l'obéissance à sa parole. Nous prenons Deutéronome, s'il vous plaît. Nous prenons Deutéronome, le chapitre 28. Est-ce qu'on me suit un peu? Tu as perdu ton visa passé. Tu as perdu ton foyer parce que tu étais fiancé. Tu as perdu le monsieur parce qu'il y a quelque chose. Vous voyez, sorcier, mais sorcier, il est venu parce qu'il t'a fait quelque chose. Ou bien? Oui. Tu es fiancé, puis tu es tombé fiancé. Sorcier va venir te manger. Il va venir gâter. Ah, répondez-moi. Hein? Tu avais quelqu'un qui dit qu'il va se le marier. Hein? Puis un petit peu de bruit à côté. Et qui est sûr, tu te à côté. Et qui est sûr, tu t'es étonné que le monsieur est parti. C'est pas sorcier qui fait. Tu as un garçon, tu lui dis, bébé, c'est toi l'homme de mon cœur. Sans toi là, tu fais sorcier à côté. Mais tu trouves que non, les gens viennent dans ma vie, ils sont là comme ça. Les gens, ils viennent, ils sont chauds. Mais toi, c'est pas ce que tu fais. Je sais pas. Hein? Quand tu sais que c'est bon, là, prends ça au sérieux. Là, ça va dépendre de ton sérieux. Le Seigneur te bénira en fonction du sérieux que tu mets dedans. Amen. C'est tout. Si tu sais que c'est l'homme, comment ça te sérieux? Je veux dire, tu vas commencer à être bancal. Vous connaissez les bancals? Et tu es comme ça, tu es comme ça. Quand tu marches, on sait que toi, tu es bancal. Tu n'es pas plus. Tu vas perdre le combat. Comme il dit que sorcier ne veut pas te voir marié. Il ne veut pas te voir ça. Donc reste tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi quel passage tout à l'heure? Alors, allons-y de 30, 28. Amen. Je connais une jeune fille. Ça, c'est le café. Elle a un problème. Cette fille. Elle ne peut pas s'en passer du sexe. J'explique. Elle me regarde dans les yeux, elle dit, moi, je ne peux pas. Une journée, vous me suis tourné. Comme chat. Vous serez comme chat. Les chats qui mignonnent la nuit. Vous ne pouvez pas mignonner un bébé. Vous serez. J'ai scanné sa vie. Elle dit, où tu as eu les premiers rapports? Elle est sur la plage. Parce qu'à Paraya, quand elle est à Paraya, ça veut dire la mer, la plage, Paraya. Et en plus, mon violet, là j'ai compris, l'esprit est rentré en elle. Quand elle a fini de parler, j'ai poussé un cri. Elle est tombée, chassée le démon. Elle a commencé à se mettre mieux. Oui, le démon qui la possédait, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a un démon dans sa vie qui contrôle sa sexualité. Tu vois comment tu peux faire répondre un jour? Elle-même dans les menstrues, elle fait. Oui, oui. Ah, vous ne prenez pas possession.
Quand quelqu'un est possédé là, tu ne peux pas. Mets une enchaîne, casse-tête, ça va. Non, ma fille dit, oh, elle va te blesser. Parti faire ce qu'elle a envie de faire, elle va revenir. Tu vois quelqu'un qui est drogué, l'esprit de drogue, c'est un démon couillasse. C'est comme l'esprit de l'homosexualité. C'est des démons graves. C'est comme la démon de la perversion. Elle est là, je cherche le démon, ça déshabille. Elle a, excusez-moi, la personne s'est masturbée devant moi. Et il y a démon, petit démon, vous voyez là. Oh, où est ce démon? Il y a appelé mes gars, venez. Force qu'il avait la force. Parce que j'ai su comment les démons sont dans sa vie. Elle commence à chasser les démons. Chasser les démons. On a chassé pendant des heures. On l'a bloqué. Mais elle-même, on sentait qu'elle était possédée. Ouh! Elle drague les hommes à l'heure avec elle. Il n'y a pas une nuit, elle ne dort pas dans ça. Elle te dirait, elle ne veut pas. Mais là où tu ne peux plus, là, c'est qu'il y a un démon là. Il y a un démon qui contrôle ta volonté. Tu n'es plus maître de toi, c'est qu'il y a un esprit derrière ça. Il y a un démon derrière. Chasser le démon. Le démon a commencé à crier. Elle a poussé. Comme étant venu coucher, on a vu un enlevé qui est sorti. Un enlevé. Poisson. Ça l'a libéré. C'est comme ça qu'elle a été délivrée. Mais la plus sûre, c'est qu'elle, au lieu de la Marianne Pasteur, qui est missionnaire, elle est missionnaire plus, qu'on appelle en Afrique du Sud. Là où tu ne peux plus, c'est qu'il y a un démon. Non, mon enfant vole, j'ai frappé. C'est qu'il y a un démon de vol. Le jour où il a pris l'argent, il a volé là. Un démon est venu dans sa vie. Un démon est rentré dans sa vie. Il ne peut plus arrêter. Non, j'ai tombé une seule fois. Au nom de Dieu, c'est béni fou. Le gars m'a proposé l'argent, je vais tout bien. Mais la haine m'a proposé. Lui, il aime donc quoi? Mais il l'aime quand même. Je l'aime quand même. C'est parti là, c'est fini. Des démons sont rentrés dans ta vie. Tu as commencé à être infidèle. Vous savez que les hommes n'aiment pas les femmes infidèles. Même si ils font ça, c'est des sorciers aussi. C'est des trompeurs de femmes. Mais ils n'aiment pas qu'on les trompe. Sorciers. Et ils n'aiment pas ça, hein. Mais ils font ça, c'est des sorciers. Sois les plus jaloux. Tu as fait quoi hier dans ton portable? Ton portable? Qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Lui cache pour lui. Sorcier. Quand pourtant soit pas même il cache. Pour toi, il est cou, il va réaller. Le jour, l'infidélité, le démon rentre. Amen. 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 Si vous voulez être puissant en matière de délivrance, ne mentez pas beaucoup. Ou ne mentez même pas. On n'a pas fait d'imprès dans ma vie. Dès que tu manques beaucoup, tu ne peux pas faire de délivrance. Le diable va t'attraper, vous dites tu manques.